C'est honnête ou pas. Mais c'est le prix du rêve. Ouais. Est-ce que c'est fuir la réalité? Est-ce que c'est fuir le réel? Retrouver le réel. Ou transpasser le réel. Réel, moi je pense que c'est le réel. Moi je pense que. Et c'est peut-être ça le réel. Voilà, moi je pense ça le réel. Parce que je pense que c'est épurer tout ce qu'on voit et garder l'essentiel. C'est revenir à l'essence des choses. Donc c'est enlever toute la gangue et retrouver le cœur. C'est vrai qu'on retire la société, on retire le politique, on retire tout ce qui est inutile. La sociologie, tout ce qui est momentané et qui vient un peu brouillé. Tout à fait. Et qu'on va à l'essentiel. Et on va, c'est ce qu'on aime dans les arts anciens. C'est la peinture avant la peinture. Oui, c'est la peinture. Très bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est très bien. Voilà. Vous projetez à l'intérieur des choses. Je dis, c'est avant que l'artiste se dise, il faut que je réussisse. Oui. Il faut que je sois le plus fort. C'est avant le geste qui va être très dangereux et qui fera que ce sera réussi ou que ce sera raté. C'est un peu le geste, si je veux être religieux, un peu le geste impur. Parce que de l'invention. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tant qu'on est dans la matrice de couleurs, on a une certaine pureté. À partir du moment où il y a une intention, c'est très fort ça. C'est passé avant, c'est vrai que Klein, qui est un artiste évidemment que nous adorons, il y a quelque chose quand même d'assez beau dans cette épopée, dans cette aventure de jeunesse, et qui réussit chez Klein, qui est une utopie, mais comme tous les arts, mais qui est ce rêve de jeunesse de mettre la couleur, une seule couleur, comme ça. C'était un rêve. Mais vous, avec le blanc, vous avez fait quelque chose, avec le carbone. La céramique a été assez loin. Ah, ça a été très loin. Oui. Magnifique. Il y a dans ce... Magnifique. Dans ce... Ça m'a fait rêver, cette céramique blanche. Magnifique. Il y a des... Fabuleux. Je connais un magnifique, tout ça. C'est extraordinaire, tout ça. C'était pas mal. C'est là, vous aviez fait. Il y avait l'absolu qui a été jusqu'au bout. Ah oui, magnifique, qui a été jusqu'au bout. C'est pour ça que quand on a vécu ça, et je pense à vous, je veux dire, par rapport à votre histoire, votre culture et tout ça. Quand on a été là, qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est vrai. C'est pour ça que ma seule solution, ça a été de le faire exploser en disant je l'aime, mais je ne peux pas le laisser dans ce monde tourmenté, on va en faire n'importe quoi. Donc je préfère l'atomiser et lui donner l'autre vie. Parce qu'on passe, de ça. À ça. Et je trouve que pour moi les deux images sont aussi fortes. Ça passe de récipient avec les deux. Ça passe de ça. Pour moi, c'est l'un et l'autre. La vie et la mort. Oui. Ça, c'est magnifique. Car si je n'avais fait que ça, ça serait déjà formidable. Mais il fallait avoir une essence. C'est formidable. Moi, je ne peux pas faire plus. D'un certain côté, c'est plus fort que Wolzanski parce que c'est tout le cycle. C'est le cycle que vous-même vous faites. Parce que ça a un côté extraordinaire. C'est-à-dire, chez Christian Wolzanski, ce qui est fort, c'est sa dimension, je veux dire, pour traiter le drame humain. Mais vous,
là, je pense que c'est l'homme qui représente les hommes, c'est un l'essence. Homme. C'est oui, oui, je suis d'accord. Chez Christian, c'est une histoire. Oui, c'est le... C'est le je veux dire, c'est le monde global. Là, c'est le 1 et le plus, même histoire. C'est ma nature qui me pousse à faire ça, à retirer. Chez Christian Martensky, c'est faut faire la démonstration globale. Voilà. Moi, je ne sais pas faire la ça. La décision de casser cette dette est que jaune. C'était très euphorisant. Parce que ça fait fort. Autant de bien et de mal mélangés. Ça, c'est des émotions dont on se il ne faut pas se priver si on est capable de le vivre. De le soutenir, oui. C'est un peu comme de décider quand ces choses se terminent dans sa vie, qui est une chose incroyable et qu'on ne sait jamais résoudre. Puisque, dans le fond, on attend tous un hypothétique moment où ça sera le moment où, comme quand on est né, on disparaît, on ne sait pas quand. Et ça nous sauve sans doute, parce que sans ça, ce serait sans doute insupportable. Mais quand on prend des décisions un peu extrême comme ça sur sa disparition propre. Alors moi, évidemment, c'est pas ma disparition, c'est un substitut. Mais bon, j'y mets de l'âme, j'y mets du cœur et tout ça, comme si c'était quelque chose de vivant. Donc c'est un peu comme si j'ai décidé que je disparaîtrais à tel moment. Et ça me... J'avais des discussions avec Jean Tinguely, nous étions très liés, et Jean était très fasciné par la maison que j'avais faite. Et il l'a fait après la tête, dans la forêt, où j'avais participé avec lui. Et très grand artiste, Jean Tinguely. On avait des discussions, enfin, moi je le titillais beaucoup et je lui disais, mais pourquoi on est audacieux quand on fait une exposition et pourquoi, par rapport à notre disparition, par rapport à... Mais on n'est pas audacieux. Pourquoi parce qu'on a peur, simplement, et parce qu'on ne sait pas comment faire et tout ça. Et on trouve des solutions dans les expositions, on ne les trouve pas dans la vie, dans la vie par rapport à tout ça. Et je lui disais, il faudrait qu'on travaille vraiment là-dessus. Et Jean est mort, avec une attaque cérébrale et tout ça. Et il était très mal au point les derniers temps. Et je continuais à être là et un peu le soutenir et lui dire, c'est le moment, vas-y, fais quelque chose. Vous savez, comme cette transgression et tout ça. Et je me disais en moi-même, mais toi aussi, il faudra aussi que tu décides. Et je pense que Jean, il a fait comme toutes les personnes fragiles, c'est-à-dire à un moment donné, la machine s'est arrêtée. Et je me dis peut-être, je vous prends un témoin, mais je ne dis pas que je le ferai, mais je ferai tout pour essayer de faire quelque chose. Alors je ne sais pas si ça sera artistique, humain, mais je ferai tout pour faire passer du côté de l'art ma disparition. À condition qu'elle ne tombe pas. Mais si ça m'arrive, si c'est un faux chantier, pas n'importe quel. Si ça m'arrive par derrière, je ne pourrais rien faire. Mais si ça m'arrive par devant, je crois que je pourrais participer, en tous les cas j'en ai toujours eu le désir, même plus jeune, de me dire non, ma mort, elle est à moi, je me la servirai, ça ne sera pas du hasard, voilà. Mais c'est des mots.